C'est comme si demain on disait que l'aspirine est un poison mortel. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir. Surtout sur l'hydroxychloroquine, à un moment, il va falloir inventer deux mots différents, si vous voulez, l'un pour le médicament, quelque chose qu'on prescrit, qui a été prescrit à 2 milliards de personnes, et le Lancet a fini par accepter le papier qui montre que 930 000 personnes qui ont reçu de l'hydroxychloroquine pour une maladie inflammatoire n'ont pas plus de mortalité cardiaque que les gens qui prennent d'autres traitements. Il vient de sortir un papier belge sur une série de 1500 personnes où on montre qu'il y a une diminution très significative de la mortalité si on donne de l'hydroxychloroquine, comme nous, on a des taux de mortalité extrêmement faibles chez les gens qui ont été traités, de 0,45%. Donc il y a ça, c'est le médicament, et d'autre part, c'est le fantasme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à écrire, à publier, et à soutenir que l'hydroxychloroquine est un poison mortel, alors qu'il y a des milliards de gens qui ont reçu ça. Donc on voit bien qu'il y a une déconnexion complète. Je l'ai d'ailleurs discuté avec un philosophe épistémologique qui semble intelligent. Donc c'est devenu un hyper-objet, la chloroquine, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe plus. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité, et donc c'est très difficile de faire revenir les gens dans la réalité qui se sont tellement affolés. Tout ça a été un peu ridicule. Je suis même étonné, encore une fois, de voir jusqu'à quel point les gens admettent qu'on ait pu publier des choses dans l'urgence et sous l'effet de la passion, qui sont tellement déconnectées de la réalité. C'est pas extraordinairement étonnant parce que les journaux qui étaient des références scientifiques sont devenus maintenant en grande partie des journaux d'opinion, si vous voulez, et il se passe un mouvement qui est très intéressant, c'est que c'est les opinions maintenant qui précèdent les données scientifiques, et les données scientifiques sont choisies en fonction des opinions, et ça n'est plus l'opinion des médias qui se fait à partir des données scientifiques, c'est l'inverse. Et donc, on est devant un problème d'un éloignement de plus en plus grand entre la réalité observable et ce qui est décrit, qui n'a plus rien à voir. Et donc, c'est un exemple absolument extrême. C'est comme si demain, on disait que l'aspirine est un poison mortel qu'on peut plus donner. Donc, il y a quelque chose qui se passe là maintenant, qui avait été vu par des gens qui ont l'approche visionnaire du monde, qui est on n'est plus à la distance, c'est plus une distance entre la réalité observée et la réalité véhiculée, c'est qu'il n'y a plus rien de commun entre ce que les gens ont dit de l'hydroxychloroquine, ce qu'ils continuent à dire, et ce qu'est réellement un médicament banal, qui a passé son temps à être utilisé, qui tue personne. Qui donne des complications rétiniennes quand on en prend pendant un an, et donc c'est quelque chose qui n'est juste, c'est pas la même réalité, c'est une réalité, c'est un fantasme avec un hyper-objet qui n'a plus de réalité. Et donc c'est très intéressant de voir ça, on se demande quand est-ce que à un moment tout le monde va revenir sur Terre en disant, mais écoutez, c'est pas possible, d'ailleurs les Africains se fichent de nous, hein, honnêtement, parce qu'ils ont tous mangé de la chloroquine depuis qu'ils sont petits, donc dans l'Afrique, qu'ils auraient dû mourir dans 10% des cas, ça les laisse pantois, quand même. Donc, on ne sait pas quand cette histoire de chloroquine va s'arrêter, j'espère que ça va bientôt s'arrêter, parce que, globalement, nous, quand on donne ça dans les EHPAD, il y a moitié moins de morts, alors que ce serait bien que, fasse ça ailleurs, parce que s'il y a d'autres cas qui surviennent dans les EHPAD, ça serait bien de soigner les gens avec ce qu'on a actuellement disponible. On vient de faire une comparaison entre le premier acte qui était jusque fin avril et le deuxième acte qui aurait commencé à partir du 15 juin. Donc la moyenne d'âge est à peu près la même, un peu plus basse actuellement. Enfin, au début, on a l'impression que c'était surtout des jeunes. Maintenant, c'est une population qui est comparable, avec une population de plus de 65 ans qui est aussi comparable, 10% actuellement, alors qu'il était 12 avant, et un peu plus d'hommes, pour des raisons que je n'explique pas, mais il y a moins d'hospitalisation, 11% contre 18%, la moyenne d'âge des hospitalisés est la même,
La mortalité, pour l'instant, est beaucoup plus basse, 10 fois plus basse que ce qu'on observait avant. Et les signes d'anosmie, de non-perception des odeurs sont les mêmes, sont comparables. Et ce qu'on voit aussi dans les marqueurs biologiques, c'est que dans les signes qui étaient associés avec la gravité, en particulier les troubles de la coagulation, sont beaucoup plus rares dans l'épisode actuel, pour l'instant, hein, que ce qui était dans l'épisode précédent. Donc on a une situation dans laquelle il y a effectivement un nombre de cas, et ça ce sont les cas autochtones marseillais qui augmentent, mais pour l'instant on reste avec une mortalité plus faible et une gravité plus faible. Pour l'instant là aussi, chez les patients qui ont été inclus, traités 3 jours, la mortalité est très basse, pour l'instant est 0 sur 103, ce qui fait que sur l'ensemble des patients qui ont reçu ce traitement, il y a eu sur 4000 personnes, 18 morts, c'est-à-dire 0,45%, ce qui fait que dans l'ensemble de la maladie, pour ceux qui ont pu être pris en charge et traités ici, la mortalité est très basse, plus basse que celle des autres infections respiratoires qu'on a eues les autres années et diagnostiquées au CHU. Alors l'histoire, vous la connaissez, elle commence en janvier 2020, en réalité, avec les rapatriés de Wuhan, qui sont amenés à Carry-Roué, et avec une nécessité assez rapide de faire des tests diagnostiques, sachant qu'on n'avait pas les tests, on n'avait pas les amorces même, on n'avait pas de témoins positifs, que le CNR nous a refusé les témoins positifs, et que Philippe a dû se démener avec les fournisseurs d'amorces pour nous fournir dans l'urgence des amorces et des témoins synthétiques. Moyennant quoi, on a réussi à mettre en place ces tests assez rapidement, et les premiers positifs, on les a eus vers le 25, 26, 27 février. Et nos trois ingénieurs, donc Elsa, Céline et Claudia, ont été mises à contribution de façon très importante pour les tests, la mise au point de tous ces tests et le suivi, d'ailleurs, à la fois des positifs, des faux positifs et éventuellement des faux négatifs. Ça a été intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que ça nous a montré nos insuffisances, vous allez le voir, la mauvaise idée d'avoir tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire d'avoir affaire qu'à un seul ou quasiment un seul fournisseur de réactifs. Deuxièmement, ça a permis d'accélérer de façon considérable un certain nombre de choses, et les services numériques de la PHM nous ont permis de faire du rendu en ligne de résultats, et ce qui fait que les patients ont eu accès à leurs résultats directement depuis chez eux, alors que jusque-là, c'était pas possible. Et on a, vous le voyez, une augmentation assez rapide du nombre de tests quotidiens, et donc dès autour du 9-10 mars, on a été obligé, les premiers tests ayant été faits dans le laboratoire, on a été inondé dans notre activité quotidienne, et donc avec un risque de perturbation des flux quotidiens, on a été obligé d'ouvrir 2 laboratoires, en prenant 2 laboratoires de recherche à l'équipe de Jean-Marc Rollin, qui sont les laboratoires 104-105 au premier, dans lesquels on a installé un certain nombre de machines, puisqu'on avait tous les Kiacubes qui étaient en haut, on avait 6 thermocycleurs Roche, on avait une capacité de diagnostic importante. Et quasiment au même moment, on a une fermeture des frontières américaines. Et c'est là qu'on se retrouve vraiment dans les ennuis, c'est-à-dire que tous les gens en Europe s'aperçoivent qu'ils dépendent des Américains pour leurs réactifs, et donc tout le monde téléphone bien sûr à son fournisseur en disant « bloque-moi tout ce que tu peux ». Et donc on s'est retrouvés, nous aussi, en panne de réactifs assez rapidement, et vous verrez que par la suite, Elsa vous expliquera comment on a diversifié finalement aujourd'hui notre offre diagnostique. Donc, rupture de réactifs de consommables. Première réaction, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Alors, on a eu une aide absolument considérable des laboratoires du pôle de biologie, et notamment de l'équipe d'hémato de la Timone, de l'équipe de Bioche de la Timone, de l'équipe de également de Nicolas Lévy en génétique, qui sont immédiatement arrivés, nous venir nous voir en nous disant voilà ce qu'on a, est-ce qu'on peut vous aider
et vous dépanner en tips, parce qu'on n'avait plus de tips, en plaques, enfin, tout ce qu'ils avaient, ils l'ont amené. Et Elsa et Céline et Claudia se sont attelées à essayer d'adapter ces nouveaux tips qui ne s'adaptaient pas forcément sur les machines dont on disposait. On s'est aperçu également très vite que ça, c'était pas mal, mais que ça avait des limites, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas toujours à adapter, et puis parfois, quand on arrivait à adapter, ça ne tenait pas sur le long terme. Et puis, de toutes les façons, les réactifs Kyagen, pour ne pas les citer, on ne les avait plus, et il fallait bien faire autrement. Donc, on a commencé à téléphoner à droite, à gauche, à essayer d'acheter des réactifs ailleurs, et d'acheter également des automates, mais on s'est aperçu très vite que, en réalité, il y avait très très peu de réactifs disponibles et quasiment pas d'automates sur le marché. Et puis, coup de bol, autour du 20 mars, je reçois un appel téléphonique d'Éric Sellal, qui est un vétérinaire lyonnais, qui a monté une boîte qui s'appelle BioSellal. Et ce type, qui est assez génial, me dit « Écoutez, voilà, nous on a, les vétérinaires, une capacité de diagnostic qui est importante. On est capable de faire 400 000 tests Covid là tout de suite. » On a proposé ça au conseil scientifique du gouvernement, ils nous ont même pas répondu. À un moment où personne n'était plus capable de faire le moins de diagnostics en France. Ok, et donc il me dit, moi j'ai des réactifs, j'ai le livreur qui est dans la cour, si vous voulez, si c'est vous êtes partant, je vous mets les cartons dans le truc, vous les avez demain matin. Banco, on a pris, et Éric Sellal est venu quelques jours après pour voir comment ça fonctionnait. Et grâce à eux, on a pu quand même avoir de quoi tester 100 000 personnes, ce qui est quand même considérable, et à un moment où finalement on s'est retrouvé, grâce à ça, quasiment les seuls en France à pouvoir faire du diagnostic au Covid. Bien entendu, ce diagnostic, vous le voyez, on est monté jusqu'à 4000 tests par jour, ça s'est pas fait tout seul, on a été obligé d'une part de renforcer les machines, d'autre part de renforcer les équipes, on est monté jusqu'à 40 techniciens spécifique pour le Covid. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu des renforts en nouveaux techniciens, mais aussi des renforts en techniciens du pôle de biologie. Et beaucoup de techniciens du pôle de biologie qui avaient travaillé à l'IHU ont été volontaires pour venir retravailler chez nous, et ça a été très efficace. On a, grâce à vous, dû rajouter deux lignes de garde à la ligne de garde que vous aviez déjà. Ça faisait trois lignes de garde d'interne. Mais grâce à vous, on a pu continuer à tourner. Et également, on a renforcé considérablement le secrétariat. Hop, pardon. Et donc, je vais laisser la parole à Elsa pour qu'elle vous raconte en détail les différentes techniques que nous avons mises en place et qui nous ont permis aujourd'hui de diversifier notre parc de machines et également d'avoir des fournisseurs dans différents pays. On a testé à ce jour 184 000, on a fait en ce jour 184 000 tests de 123 000 patients avec plus de 8 000 patients positifs. Et donc, c'est considérable. Et on est le laboratoire français qui a fait le plus de tests Covid au cours de cette épidémie. Ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là tellement elle est folle. Donc qu'est-ce qui a rendu tellement les gens fous à ce moment-là? Ils ont été pris à croire qu'une molécule qui avait 70 ans, qui a été prescrite à 1 ou 2 milliards de personnes, brutalement était devenue un produit incroyablement toxique. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera, qui laissera une trace dans tout le siècle à venir.